Est-ce qu'on serait pas en train de finir Zelda, peut-être? Moi, je vous le dis, c'est l'objectif. L'objectif de finir Zelda à point nommé dans les temps impartis 6 mois après l'avoir commencé. C'est toujours bien de faire les choses comme il faut. Donc, nous sommes en passe d'aller affronter le boss du donjon du feu. Ça, c'est hop, ce qui veut dire que c'est la 71e partie Into les VOD sur YouTube. On est, si je ne m'abuse, partie 71, Donjon du Feu. Donc, moult parties. Hein. Ça, c'est quand même pas mal. Et la 72. Non, c'est ça, c'est la 72. Celle-là même, c'est la 72. Extraordinaire. Paf! Je prends les notes, comme ça, je m'en souviendrai. Et puis voilà, quoi. Le petit boss. Et après, une fois qu'on aura fini ce petit donjon-là, la quête sera d'aller faire les sanctuaires qui restent. Il en reste pas tant que ça, donc ça... Ah, par contre, j'ai pas de cœur, j'ai rien. Ah mince. J'ai 5 cœurs. J'ai 5 poutus cœurs. Est-ce que j'ai des fées que je vais gaspiller? Non, j'ai plus de fées. Ah oui, j'ai 5 cœurs. C'est problématique. Ah oui, mais c'est quand même très problématique, ça. Merde. J'ai 5 cœurs. J'en ai que 5, dis donc. Bon, bah, ça s'annonce mal parti. On va dire que je tente avec 5 cœurs. Mais c'est mal parti, cette histoire. Qu'est-ce que vous voulez? Ah! C'est quoi l'objectif? Comment je tire? Ah, oh. C'est que, en fait, c'était arrondi. C'était sphérique. Donc, la logique a fait que ça a touché. Ça a touché au Et où but. est passée Dame Zelda? On est toujours là, à la recherche de Dame Zelda. Regarde ça! C'est un monstre! Ah, c'est un monstre! Ah, this is a monster! Ah, mais j'ai tout cassé là! J'ai tout fait tomber! Attendez, attends, attends, j'ai tout fait tomber, il faut que je range! C'est bon, on n'a rien vu. Ni vu, ni connu. J'ai pris sous mon aile ce petit goron. Dame Zelda est à l'intérieur de cette créature. Ah, c'est l'œil de Sauron. Litogoma. Temple du feu, Litogoma. C'est parti. Allez, Link, il faut qu'on la batte pour sauver la princesse. J'ai pas de queue. Le jeu aurait pu être sympathique, me donner des cœurs, non? Le jeu n'a décidé de ne pas me donner des queues. Ça, par contre, le fait que ça recharge, c'est quand même un peu chiant. C'est maintenant que j'ai envie de faire quoi? Quoi? Ouais, mais t'abuses! J'avais pas de queue! Comment veux-tu que ça se passe bien? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Et du coup, j'ai toujours 5 cœurs. Flûte! Flûte, flûte. Il faut. Alors, il va falloir que je me téléporte. J'aurais dû me préparer avant d'y aller. Hein. Ça, c'est my bad. Ah oui, mais comment je sors de ça déjà? Carte du monde, carte du monde. Carte du monde. Alors, on va retourner. Où on est? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est ça, ok. Hop. Carte du monde. Je retourne. Ici même. Je sais même pas, j'avais peut-être pas besoin de partir si loin, mais c'est pas grave. Ça, c'est le réflexe d'aller à Fort Duguay. Je vais là-bas. Et je vais. Et. Déjà, j'ai fait un petit sieste. Et je vais essayer de faire des petits repas. Parce que compliqué. Je vais me faire goumer. Et j'aime pas bien ça. J'aime pas bien cette petite ambiance où je me fais goumer. Hop! Ah mais je peux récupérer un cœur, c'est vrai. J'avais oublié. J'ai un cœur en plus. Bah ça tombe bien. Je vais en avoir bien besoin. Je vais en avoir besoin.
Ah, mais je peux optimiser le Goron aussi. Attends, le Goron là. C'est lequel? Comment il s'appelle? Ah, mais non, mais je l'ai pas encore. Bah oui, ça sert à rien. Ah, c'est dommage, tiens. Bah oui, je peux pas. Donc ça sert à rien. Je me suis ambiancé pour rien. Finalement. Oh. Bah oui, c'est à cet instant qu'il aurait été utile, le Goron. Puisque c'est le boss du Goron. Eh oui. Bon, c'est pas grave. Faisons un cœur en plus. Hop! Voilà qui est magnifique. Voilà qui est magnifique. Maintenant, essayons de cuisiner. C'est où la cuisine? La cocina, la cuisine. C'est ici. Donc j'ai besoin déjà de réorganiser le menu. Une truffe. Truffe, ça peut donner des cœurs, ça. Oui, c'est ça. Récup total. Ok. Là, on est bien avec ça. Récup total plus 1, récup total plus 1. Là, on est pas mal. C'est ça qu'on veut. Paf. Ça, j'en veux. Vas-y. Des truffes, j'en ai. J'en fais. Paf. Hop, hop. Fra. Paf. Flip, flip. Attends, j'ai pas d'autres machins, là, qui traînent? Des radis, machins, là. Si, j'ai ça. Radis max. Gros radis max. Attends, radis max. Choisir une recette. Ah, oh, pas mal ça. Paf, fra. Comme ça, on est bien. Carotte vigueur. Choisir une recette. Allez, petite carotte vigueur. Hop, c'est pas mal. J'en veux dans ma besace. Le gros radis. Ah, j'ai pas de recette avec le radis. Oula. Bon, je vais le garder. Dans une incertitude. Attends, des fleurs lames là. Ça peut être pas mal. Ça, j'en veux. Ça, j'en veux. Ça, j'en veux. Ok. Où sont mes truffes? J'en veux plus. J'en veux plus, j'en veux plus. Vénison. C'est la même chose. Tac. Tac, ok. Choisir une recette, ça je peux plus, ça je peux plus, ça je peux. Hop, hop. Là on est pas mal. Est-ce que. Oh, j'ai ça aussi. Mais oui, mais venaison divine là, attends. Je prends venaison divine, attends. Je prends ça. Je prends du sel. Et je prends la truffe, et là on est stylé. C'est que je n'ai jamais fait ça. Ah, c'est la même chose en fait. C'est exactement la même chose, donc c'était pas la peine de s'ambiancer. Des petits poissons. Je veux des petits poissons, moi. Ça, là. Est-ce qu'il y a moyen de faire un truc stylé? Bof, pas ouf. Pas fou, moi. Oups. Ok. J'ai pas un truc lame? Si, ça. Un petit poisson, là. Ah, ça, c'est bien. Hop. Paf. Ok, et les petits crabes là. Les crabes ils sont bien. Je sais que les crabes, on peut faire des dingueries. Ça c'est pas mal. Ça j'en veux. Oh. Bon, là on est pas mal. J'ai fait. Ah bah voilà, là on est pas mal. Là on a quelque chose. Là il se passe quelque chose. C'est bon. Là on peut repartir. Hop 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 hop. C'était où? Comment est-ce que je retourne? Du coup, non, c'est pas ça. Hein. Non, non, c'est pas ça. Attends. Non plus. Attends, comment je retourne au donjon là? La question, elle est comment j'y retourne? Ah, il faut que je fasse ça. Tout va bien se passer. Normalement. Si je ne m'abuse. Ah.
parti. Cette fois-ci, c'est Abouine. Le first try. On oublie ce que j'ai fait tout à l'heure. Et là, ah, donc, ça. Ok. Ah oui, ça enchaîne direct. Bam. Oh, bah... oh là là, what? Mais ma vie s'en va comme... comme neige au soleil. Il est où, Piu Piu? Ah non, c'est trop chiant de devoir courir après les persos, là. Oh là là. C'est maintenant ou jamais de faire quoi, mon ami? Attends, j'ai quoi comme arme? Oh, j'ai des trucs un peu efficaces. Je vais prendre ça en attendant. Quoi, j'ai cassé mon arme? T'es pas sérieux. Sur son œil, là, sur son gros œil. Oh la baise. Il m'a arraché ma vie. Alors, c'est le moment d'utiliser Toup. Toup. Voilà, comme ça, on est pas mal. Qu'est-ce qu'il fait, là? Pas fou ce boss, hein. Encore une fois, c'est peut-être le boss le moins bien de tous les donjons là. Vraiment, c'est pas dingue. Ah, deuxième forum, Elden Ring. En fait, les précédents boss étaient un peu plus inventifs. Stadine. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Oula. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah oui, il est au plafond. Et le plafond. Il faut que je fasse quoi? Ah merde. Je suis pris au piège. Oh là là, qu'est-ce qu'il attend là? Est-ce qu'il faut que je tire comme c'est sphérique pour pouvoir l'atteindre, c'est ça? Mais il est où? Si je tire là, genre. Ah oui, je le touche. Ah oui, d'accord. Oh non! On peut la battre, j'en suis sûr. Bah oui. C'est parti. Vas-y, je bourre. Où est-ce qu'il est parti? Ah, il est vraiment pas ouf ce boss. C'est vraiment le boss. Oh non! Parce qu'il fallait faire un boss, quoi. J'ai quoi dans ma besace là? Ah, j'ai pas envie de gaspiller mes trucs. C'est ce que je suis en train de faire. Allez, où? On n'en parle plus. Et on aura fait tous les donjons. Évidemment, il y a peut-être un sixième que je suis pas au courant. C'est possible. On va pouvoir se concentrer sur les sanctuaires. Je pense que cette semaine, si je suis pas trop nul, on a le temps de. On arrive à le finir. J'arrive à faire tous les sanctuaires. J'arrive à explorer les souterrains et on est pas mal, je pense.
Parce qu'il m'en reste pas tant de sanctuaires. Et avec les souterrains, je sais où les trouver facilement. En plus, j'ai le détecteur. Maintenant. Ah oui, c'est vrai que franchement, il y a beaucoup de cœurs dans le jeu. C'est vrai qu'on donne des cœurs en plus. Ah, il va y avoir des cinématiques. Des petites cinématiques. Mon petit cœur. Hop. Ah, c'est le moment de briller, hein. Donald, c'est le moment de briller. Fais pas le fou, c'est ton moment. C'est maintenant ou jamais tu vas briller. Toi qui as hérité de mon sang. C'est encore cette voix? Alors, c'est toi qui nous parles depuis tout ce temps? Oui, je suis ton très lointain ancêtre. Un guerrier Goron au service du premier roi d'Irul. Mais aussi le sage qui maîtrise le feu. Ta manière de combattre en utilisant ton corps comme une arme était remarquable. Tu es bien mon descendant, et la fierté du peuple Goron. Ce monstre était la source de la roche qui a corrompu notre peuple. Il a été envoyé par le roi démon en personne. Sa mission était de t'empêcher d'obtenir la pierre que tu viens de toucher. La pierre occulte. La pierre occulte. La pierre, le démon? Oh là! Bien sûr, rien de tout ça n'a encore de sens pour toi. C'est justement de ça que j'aimerais te parler. Du conflit qu'on appelle la guerre du son et de la destinée de notre peuple. Tout cela s'est produit dans un passé très lointain. Peu après l'établissement du royaume d'Irul sur ces terres, un être maléfique apparu, attaquant les innocents et prêt à tout pour détruire le royaume. C'était le roi démon. Le roi démon. Mais Raoru, le premier roi d'Irul, et les six guerriers qui l'accompagnaient se dressèrent contre lui. Pour nous aider à combattre le roi démon, Raoru nous remit les pierres occultes. Des trésors qui amplifiaient la puissance de leurs porteurs. J'étais l'un d'entre eux. Armé de ma pierre occulte, je pris part au combat en tant que sage du feu. J'étais l'un d'entre eux. Mais le roi démon était un monstre de puissance. Il était si robuste qu'il repoussait sans peine les coups les plus puissants. Et sa force était sans égale. Le roi Raon finit par comprendre qu'il nous était impossible de vaincre le roi démon. Il prit donc la décision de se sacrifier pour le sceller et mettre fin à la guerre. C'était donc ça, la guerre du sang. C'était donc ça. Quelque temps plus tard, l'un des six sages, celui du temps, me rendit une visite qui a décidé du destin des gens. Le sceau finira par se briser. Alors le roi démon reviendra à la vie. Le héros aura besoin de la puissance nécessaire pour lui faire face. Le pouvoir du peuple Goron, celui de contrôler le feu. Je t'en prie, mets-le au service du chevalier Link. C'est à ce moment précis. Vaincre le roi démon est notre plus grand désir.
je fais le serment qu'à l'heure de sa résurrection, un Goron s'éveillera à nouveau en tant que sage du feu. Et combattra aux côtés du chevalier Link. Ah ok. Oup. À présent, vous savez tout sur la guerre du Sceau et sur le destin de notre peuple. Grâce à vos efforts, le village Goron a pu être sauvé. Mais la résurrection du roi démon est proche. Yun, mon descendant, reçois en héritage ma pierre occulte et honore la promesse que j'ai faite au singe du temps. Fais le serment de combattre aux côtés du chevalier. Alors je dois combattre aux côtés de Link? Ce serait ça ma destinée? Vraiment à moi que vous voulez confier cette tâche? Vous êtes sûr? Parce que moi, j'ai pas la carrure de mon ancêtre et de ses compagnons. Mais bon, je n'ai pas le droit d'hésiter, sinon je ne me pardonnerai jamais. Je me suis assez comporté en enfant gâté. Je vais me battre, vous allez voir! Wouion. Je suis maintenant le sage du feu. Regarde, je vais te faire une démonstration. Ah oui, check. Il y a un tout petit point. Moi, Yun, sage du feu, j'en fais le serment. Je mettrai mes forces à ton service. Compte sur moi. Prépare-toi. Tu vas maintenant recevoir la preuve. Oh, je les ai tous. J'ai les 5 doigts. Je les ai tous récupérés, Nintendo. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Grâce à cette bague, peu importe où tu te trouves, mon pouvoir sera toujours avec moi. Moi, si je veux être ton digne compagnon d'armes, je dois devenir encore plus fort. Bien, rentrons au village. C'est long, Nintendo? Ma Switch est en train de brûler, qu'est-ce qui se passe? Elle a pris feu? Ah, dis donc, c'était particulièrement long. Le SSD magique? La Switch? Oh, j'ai sauvé Hyrule. Ça y est, je touche au but. Je touche au but. En plus, il reste vraiment, je sais pas, une trentaine de sanctuaires, donc je pense que ça peut se faire assez vite. Enfin, s'ils sont pas trop compliqués à trouver. Ça peut se faire sans trop de difficultés.
Non, mais on ira à un rythme bon. De base. Je pense que le rythme, il va être de base. Mais après, si la moitié, c'est des bénédictions de Rauru, bon. En plus, comme j'ai le détecteur, j'ai même pas besoin de forcément explorer les souterrains de fond en comble. Je me dis ça maintenant. À la base, c'est ce que je voulais faire, mais je sais même pas si je vais le faire, ça. Oui. C'est un peu dommage d'avoir mis le détecteur alors qu'au final, bah, les souterrains sont là pour ça, quoi. Quand tu comprends que les racines sont connectées, machin, c'était plus intéressant de laisser le joueur faire ça, en fait. Moi, je suis speedrunner, tu sais bien, kid. Moi, speedrunner professionnel. Ouais, mais dans le ciel, c'est facile. Je crois que je les ai tous faits dans le ciel. Dans le ciel, ils sont faciles à trouver, quoi. Vraiment, il faut vraiment se... Le seul que j'ai pas, c'est celui qui est dans le sur l'île de la tempête, là. Me semble-t-il. Parce que vraiment, déjà, il y en a pas beaucoup dans le ciel, et des îles, il y en a pas beaucoup. Donc pour les rater, quand si t'explores un peu... Puis le ciel, c'est quand même très, très décevant, quoi. Vraiment, t'as vite fait le tour. Hein. C'est là où c'est le plus simple, je pense, de les trouver, les sanctuaires. C'est dans le ciel. Je vais m'empresser de le désactiver. Première chose qu'on va faire, c'est le désactiver. Ah, tu as récolté pas mal d'informations. En plus de ce que tu as découvert ici. C'est par contre ce qui est cool dans le jeu, c'est que vraiment en fonction de ce que tu as fait, les dialogues sont aménagés en fonction de ce que tu as fait, dans quelle heure tu l'as fait. Pourquoi tu n'irais pas raconter tout ça à la dame Plua? Bah j'irai faire ça. Mais quand j'aurai fait mes sanctuaires. Quand j'aurai bourlingué un petit peu plus. Bon ça c'est vu. Oh, t'as une quête toi aussi. Elle m'avait dit de ne pas approcher des étangs lézards. Mais elle ne m'a pas dit pourquoi. On les appelle aussi les frères lézards. Le grand frère protège le trésor, le petit frère veut le voler. Les frères lézards se regardent autour du trésor. Qui se sait cette histoire? J'irai faire ça quand je veux, car je décide de mon aventure, et pas toi. C'est pas faux. Pas toi. On fait ça comme on... Oh. Attention, hein. On fait, voilà, c'est Zelda, on fait un petit peu ce qu'on veut. Après, ça, c'est cool. Hein. Ça reste, mine de rien, que c'est très cool. Même si ça a ses limites. Parce que le fait de pas pouvoir faire les donjons quand tu tombes dessus... Ça, pour moi, il y a bien un truc qui m'a déçu. C'est quand je suis tombé dans un temple. Et que je me suis rendu compte que je pouvais pas le faire en fait juste en tombant dedans. C'est un peu triste. Ils auraient dû aménager le fait que ça t'active quelque chose, que les PNJ, voilà, je sais pas, au moins que ça t'active les quêtes PNJ, qu'on te dise vas-y nanani. C'est un peu triste. Parce qu'à quoi bon les avoir intégrés à l'open world si en fait tu peux pas les faire dans l'open world comme ça quand tu veux. J'ai pas trop écouté ce qu'il a dit, mais ça m'avait l'air très intéressant. Le trésor des étangs lézards. Oui, je me souviens, j'avais vu que ça ressemblait à des salamandres. Ils sont où? Oui, c'est là, là. Ah. Alors, c'est qu'il y a un truc entre les deux, c'est ça? Il y a un truc entre les deux. C'est ça que tu me dis. Alors, soit il y a un sanctuaire, soit il y a quelque chose. Ah non, il n'y a pas de sanctuaire, manifestement. Manifestement, non. Donc, finalement, est-ce qu'on s'en battrait pas un petit peu les reins? Est-ce que je prends feu? Ah oui.
La bêtise. Première bêtise. Bon, maintenant qu'on est là, réfléchissons à la marche à suivre. Maintenant que j'y suis là, il y a toujours ce sanctuaire là que j'ai pas été faire parce que je suis un idiot. Donc ça, ça m'a semblé être pas très malin. Est-ce que j'ai regardé tout ça déjà? Oui. Oui. Est-ce que c'est considéré comme un sanctuaire ça? Non, c'est pas une racine donc non. Ah. Attends, ça je l'ai pas mis. J'ai pas mis le point. Là, il y a un petit point, il y a un sanctuaire ici même. Là, ok. Là, ok. Ok. Ce qu'il me faudrait... c'est des turbines, quoi. Encore une fois, c'est le nerf de la guerre. J'ai besoin de turbines, j'ai besoin de trucs pour crafter, quoi. Donc, il va falloir qu'on fasse ça. Il va falloir que je trouve turbines. Où sont les turbines? Où est-ce que je vais choper des turbines? Je sais plus, je sais jamais. Turbine. Où sont les turbines? Les petites turbines. Gouvernail, nanani. Ah là, il y a des turbines. Attends, mais là aussi, il y en a. Là, il y a quoi? Là, il y a gouvernail. Franchement, si seulement le jeu il nous laissait acheter ce qu'on avait envie d'acheter comme pièce à un moment donné, parce que faire le truc choper des objets un peu au pif et en avoir 1 million dans l'inventaire que tu utiliseras jamais, c'est un peu pénible. Nintendo, si tu m'entends, this is un poquito pénible, mais juste un petit peu. Ce qui est terrible en fait, c'est que, avec ce Tears of the Kingdom, c'est que je pense que dans la finalité, je pense que tout ce que je trouve un peu décevant, bah, va peser malheureusement plus lourd dans la balise. Enfin, dans la balise, qu'est-ce que je raconte? Dans la besace. Ah oui, mais elle est là, ça va être chiant. Que toutes les qualités, parce que c'est les qualités de Breath of the Wild, quoi. Et au final, je trouve qu'il y a trop de choses qui vont pas dans le jeu. C'est un peu dommage, je dis ça alors que j'ai joué 100 000 heures au jeu. Mais vraiment, il y a trop de petites choses. En fait, c'est plein de petites choses qui, mis bout à bout, font beaucoup de choses, quoi. Font beaucoup de regrets. Il y a vraiment des trucs qui auraient pu, en plus... Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ah. Ah d'accord, c'était pour me dire que je l'avais. Comment je le désactive? Je te révoque. Révoquez mon bon ami. Où est-ce que c'est? Je veux des gouvernails et des petits flip-flop là. C'est ça qu'on veut, moi. J'ai des machins déjà. J'ai des machins. Donc ça, c'est pas mal. Évidemment, dans cette zone, on est emmerdé. C'est la zone... Des turbines, c'est ça. Des turbines. Oh, j'ai envie de dire nuit. C'est terrible, il fait 40... Tout pardon. Il fait 40 degrés, je suis quand même enrhumé. Hein. Quand même. Voilà, je suis descendu de mon fauteuil, donc j'ai l'air. Hop. C'est quand même pas mieux. Une grande perceuse, une. Attends, c'est que j'ai mal goupillé là. Hop. J'en ai combien? Parce que j'en veux beaucoup, hein. J'en veux les turbines, donnez-moi. Pourquoi est-ce qu'il est si radin le jeu? Il est radin le jeu! Ok. Dazune avait raison finalement, vis-à-vis des véhicules. C'est vrai qu'arrivé à un certain point, bah, je fais tout le temps le même véhicule. Et puis voilà quoi, je me prends pas trop la tête. Finalement,
C'est un peu ce qui se passe. C'est un petit peu dommage. Comment est-ce qu'on repart d'ici? Oh là, on voit que dalle dans cette zone. Ah! Ah putain, c'était sûr. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que je me suis juste pas téléporté? Putain, est-ce que ça a sauvegardé que j'avais farmé des trucs? Ah, c'était sûr que j'allais me faire avoir. Pourquoi est-ce que j'ai pas juste décidé de me téléporter? Et il faut refaire, ça a pas sauvegardé. Merci Nintendo. Évidemment que ça n'a pas sauvegardé. C'était sûr. Du coup, je vais peut-être me retrouver avec moins de turbines que ce que j'en avais. Ah là 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 là. Il me donne de tout sauf des turbines, j'ai l'impression. La folie, quoi. Il me donne de tout sauf des turbines. Après, c'est Donald Renew, quoi. Si c'est ce bon vieux Donald, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rebonjour, la Dounie. Alors, je prends des petits flip. Je sais pas combien elle a été payée pour si peu de lignes de dialogue. Mais bon. Ok, tap. J'en ai combien là? J'en ai combien? Ah, j'en ai quelques-unes, c'est bon. Oui, c'est pareil. Sur One Piece, je me suis dit putain. Pourquoi est-ce qu'il y a Donald? Pourquoi est-ce qu'il y a Donald dans One Piece? Bah, le problème, c'est quand tu commences à identifier, et en plus tu te rends compte qu'il fait tout le temps la même voix, il a deux voix quoi. Titeuf et sa voix de base, c'est-à-dire celle de Shinji quoi. Du coup, moi je l'aime bien, je suis quand même content de l'entendre parce que Toup, c'est Donald Renew quoi, je l'aime bien. Mais bon, moi j'ai le même problème avec Dorothée Pousseau. Dorothée Pousseau, j'en ai marre de l'entendre partout et je trouve sa voix insupportable. À un moment donné, j'en peux plus. Je n'en puis plus. Je m'excuse Dorothée. Mais je n'en puis plus. Du coup, moi, je veux aller là. Là. Est-ce que t'as kiffé Dazer? T'as regardé combien d'épisodes de One Piece? Parce que j'en parlais tout à l'heure. De One Piece, là. Moi, je suis très mitigé, voire je trouve ça nul. Hein. Enfin, j'ai vu que deux épisodes. Mais j'ai beaucoup de mal à comprendre l'engouement. Comment ça? Oui, mais t'étais là tout à l'heure. Ah, mais je sais plus ce que je dis, ce que je fais. T'as dit que t'avais kiffé? Oh, je me souviens plus. C'est quoi, je me souviens plus? T'as dit que t'avais kiffé? Ah, c'était un autre jour. Ah! Comment ça, t'as rien dit? Bah alors, tu me mystifies. Qu'est-ce qu'il me dit? Un autre jour, tu m'en as parlé? T'es sûr? Ah, je me souviens plus. À samedi peut-être. Je sais plus. Ah, j'ai pas de tête. En même temps, j'ai pas de tête. Donc moi, je veux aller sur le sanctuaire qui est là-bas en haut. C'est quoi ton gothi pour l'instant, Dazuni? Entre Zelda, Final Fantasy, tout ça. Ah bah voilà. Non, mais tu m'avais pas dit que c'était Osef. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Ah, on est d'accord. Merci. Finalement, avec Dazur, on est souvent d'accord. Sea of Stars, bon, c'était pas ouf. Même si j'essaierai peut-être de l'avancer. Et One Piece, finalement, bon, c'est bien de la merde, on est d'accord. Disons-le à un moment donné. Disons-le que c'est bien de la merde. Ok, je fais mon petit flap. Comme ça, on n'en parle plus. Hop.
Dragon Quest. Je l'ai en plus. C'est quoi Dragon Quest 11? Je l'ai. Je crois que j'ai la version PS4, dis-toi. Enfin, j'ai la version de base. Je crois sorti sur PS4 à l'époque. Et je n'y ai jamais joué. Encore un jeu. Je crois qu'il était dans le Game Pass. Il est peut-être encore. Il était dans le Game Pass à un moment donné. Ils ont mis beaucoup de JRPG dans le Game Pass. En essayant de capter l'attention des fans de RPG, des fans japonais. Je pense qu'ils essaient vraiment aussi d'attirer un public japonais. Sur leur, comme d'habitude, hein. Depuis la première Xbox, comme d'habitude, on essaie de toucher le Japon contre vents et marées, et ça ne marche absolument pas. J'y vais, hein. J'y vais. J'y arrive, même que j'y arrive, et que paf, on le fait ce sanctuaire. Oh là là, pop, 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 pop. Ah oui, mais de toute façon, putain, ça c'est chiant. Quand tu sais que tu vas perdre ton véhicule, ne serait-ce qu'en rentrant dans le sanctuaire, c'est chiant ça. Ils auraient pas pu faire en sorte que vraiment les véhicules, tu les gardes un petit peu plus que 5 minutes, même pas 30 secondes. Ouais, mais Valkyria Chronicle 4, c'est sorti il y a 1000 ans, Dazune. Parce que moi, à cette heure-ci, mon GOTY, c'est Metal Wolf Chaos XD. De From Software. C'est Yu-Yu qui m'avait dit... c'est Yu-Yu qui est fan de Yuichi. Qui est fan de Valkyria Chronicle. Et vraiment, il m'avait dit que du bien du jeu. Il m'avait dit que vraiment, c'était très très bien. Je doute pas une seule seconde que ce soit un très bon jeu. Mais Zelda, je l'aime beaucoup. Mais je trouve que c'est tellement... moins bien que Breath of the Wild. Moi, je suis tellement moins ambiancé par le jeu que par le premier, en fait. Que... il y a trop de petits problèmes, de petits défauts, en fait, qui s'accumulent, qui font que... qui font qu'au final, je sais pas si je vais rester plus sur une déception, quoi. Question de direction. Je pense que je vais avoir du mal... à le considérer comme, voilà, un grand jeu. Je sais pas, franchement, il faut que je vois quand je l'aurai fini à tête reposée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... bah, pourquoi je fais ça? C'est que je préfère le premier, quoi. Mais il n'empêche que ça reste un jeu extraordinaire. Mais ça reste un jeu extraordinaire avec des trucs, avec des problèmes, par exemple d'ergonomie qui auraient pu être réglés, je sais pas, quand même, facilement. Il aurait pu y avoir un effort fait pour régler les problèmes d'ergonomie. Est-ce que j'ai moyen de récupérer ça facilement ? Oula. Oula. Comment je repars? Comment on va repartir de cet endroit? Est-ce que je peux faire marche arrière? Oui. Après moi, il y a surtout Armored Core là. 6. Le jeu de FromSoft. C'est vraiment lui, je pense, qui me titille le plus dans les jeux de fin d'année là. Qui d'ailleurs est sorti un peu... il a pas de chance parce qu'il est sorti entre plein de gros blockbusters là. Entre Baldur's Gate, Starfield, machin truc. J'ai l'impression que Armored Core il est un peu passé à l'as. Il va être un peu oublié. Et moi il me fait très envie. C'est clairement un jeu qu'on fera dans les semaines à venir là. Paf. Ah non, tout ça pour ça. J'ai pas la place! Oh là là! Mais ça rend fou! Vas-y, je l'échange. Hop, ça dégage. J'ai pas la place, on a dit. À quoi ça sert d'aller là? Pourquoi il y a ça, là? Pourquoi il y a ce petit promontoire, là? Pourquoi? Nintendo? Aucune idée.
C'est quoi l'objectif là? Quel était l'objectif? Alors toi, tu vas pas m'embêter. Mais j'ai plus mon... Oh, la Master Sword. J'ai pas la Master Sword. Bim. Bim. C'était quoi déjà le titre du sanctuaire là? Je me souviens plus. Je sais plus. Ah, il faut aller là-bas. Il faut aller là-bas. Mais il est pas folichon non plus ce sanctuaire là. C'est pas folichon, folichon tout ça. Pas dingue. C'est pas dingue, Nintendo. Alors on est censé passer entre les piliers, c'est ça? Passer à gauche là-bas? Ah, je sens qu'il y a une embrouille. Je sens qu'il y a comme une embrouille. Nintendo, il y a une embrouille dans ton truc là. Je la vois venir. Je prends le petit gouvernail. Je me ferai pas avoir. Je fais flat. Ah, je l'ai collé exactement là où je voulais pas, évidemment. Exactement là où c'était pas ce que je voulais. Tic tic. Ah oui, attendez, il faut faire fla, flip, floop, fla, fli, hop, 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 hop. Et c'est parti, mon kiki. Ouais, bah c'était pas fou. Un sanctuaire où je me suis dit bon bah voilà on aura fait le sanctuaire, mais est-ce que ça m'a vendu du rêve? Je suis pas sûr. Je trouve qu'en fait ils sont trop restés là sur leurs acquis. En fait il y a des trucs, enfin je dis ça alors que à la fois c'est faux, mais sur les sanctuaires vraiment je trouve il manque d'effort quoi. On a manqué d'idées sur les sanctuaires, on a manqué de... J'ai l'impression qu'ils sont trop pris la tête sur faire des îles dans le ciel qui servent à rien et faire une zone souterraine qui sert à rien non plus. Plutôt que de faire vraiment des sanctuaires fignolés avec des énigmes vraiment fignolés, des donjons fignolés. Moi je trouve qu'en fait ils ont pas mis l'accent et leurs efforts sur les choses où il aurait fallu. Et c'est un peu dommage. C'est ça le vrai... Le vrai problème en fait. Moi j'ai l'impression qu'ils ont mis des efforts vraiment à faire des trucs comme une deuxième carte en entier, mais j'aurais préféré qu'ils mettent leurs efforts sur autre chose. Franchement ça me dérangeait pas s'ils la faisaient pas cette carte. Pour le coup je me dis c'est dommage. Tout ça pour faire juste plus grand, plus tout quoi. Et le plus c'est toujours l'ennemi du bien. Toujours l'ennemi d'un bon jeu. Qu'est-ce que je... Ok. En fait, il faut que je cherche. Tac. Où sont... Là, il y a un sanctuaire. Là, j'ai mis qu'il y avait un sanctuaire. Ah oui, mais j'ai plus mon véhicule. Ah, c'est trop chiant, ça. J'ai plus mon véhicule. Donc, je suis bien embêté. Je suis bien embêté. Ouais, c'est hyper loin. C'est à 4000 km. Est-ce que je vais y arriver comme ça? Je suis pas sûr. L'épée de légende a retrouvé son pulse. J'aurais eu mon petit véhicule là. On se serait plus amusé. Beaucoup plus. Que je vais traverser. Est-ce que j'ai l'endurance nécessaire pour traverser, arriver de l'autre côté, rentrer dans le sanctuaire?
C'est quoi ça? Aucune idée. Aucune idée. Ah mais je vais pas du tout dans la bonne direction. Ah mais non, mais je suis idiot aussi, je vais pas dans la bonne direction. Donc oui, je traverse. Mais c'était pas la bonne direction. C'est quoi ça? Il y a des trucs. Ah oui, c'est lui là. C'est Bidule. Comment s'appelle-t-il déjà? Ah c'est là. Là doit y avoir un sanctuaire. Il y a un sanctuaire par ici. Je le sais. Élément détecté de niveau inférieur. Je suis au courant. Donc ça doit être par ici. Évidemment, j'ai désactivé Piu Piu alors que j'en ai besoin. Ah bah non. J'ai cru qu'il y avait une grotte, mais en fait la grotte n'était pas là. La grotte n'était point ici. Donc niveau inférieur, faut que je trouve une grotte. Je trouve une grotte quelque part par ici. Ah ça, ça peut être long. Ça, ça peut être chiant. Là, on va peut-être s'emmerder. Mais c'est de quel côté? C'est ça la question. Ah. Ah. De quel côté? Ah, il aurait fallu que j'ai un cerisier. Il aurait fallu que je trouve un cerisier. Flûte! Me suis fait avoir. Me suis fait avoir par le jeu. Je sais pas. Est-ce que par ici... Pourquoi il y avait des... J'ai vu des lumières. Elles ont disparu aussitôt. Ah là. Ah si, c'est juste que ça a clippé. Ça a clippé quoi. Ça a clignoté. Ah, il y en a un là-bas. J'avais jamais vu, dis donc. Attends, on va aller faire celui-là. On va aller faire celui qui est là-bas. Je suis jamais venu là, moi. Ah bah oui, bah c'est possible. C'est possible, c'est possible. Bah on y va. Attends, je peux pas prendre ça en photo. On peut prendre des photos dans les airs. Ah c'est dommage. On peut pas prendre de photos dans le ciel, ça c'est un peu bait. Enfin, quand on est en paravoile quoi. C'est pas les trucs de baleine qu'on me dit... Si c'est ça. Il me semble que c'est ça en fait. Carcasse de baleine. Je crois qu'il y a un PNJ qui m'a parlé de ça. Il y a un PNJ qui m'a dit oui, tatati tatata. Ah non, ça m'aurait peut-être fait un truc. Ah, je sais pas trop, ce serait pas un Korogu ça. Je sais pas trop. Je sais pas trop de quoi ça s'agit. Quoi? J'ai plus d'espace de photo? De stockage? T'es pas sérieux? Ah oui. Ah si, j'ai plus de stockage, dis donc. Ah non, j'ai plus de stockage. J'ai pris trop de photos. Comment on efface des photos? Effacer. Attends, j'y vais. Ah si, c'est un Korogu, c'est ça? Ah non. Petite baleine. C'est pas Yakan. C'est très rare que les globes oculaires se fossilisent. Il lui manque un œil gauche. Ah, c'est une quête. Ah, il faut retrouver son œil, t'es sérieux? Oh lolo. Que du temps perdu. Je suis sûr que si je fais ça, je vois un truc qui se... Bon, si jamais je passe à côté, je te le ramène.
Mais là, c'est pas l'objectif. Hein. C'est pas ma mission. C'est pas ma guerre. Mademoiselle, c'est pas ma guerre. Par contre, je suis quand même curieux. Ah là 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 là. Évidemment que j'ai envie de le trouver. Ah, ça fait tut tut. Ah, ça fait bip bip. Infernal, le détecteur. Heureusement que je l'ai récupéré hyper tard dans le jeu. Parce que c'est très chiant, en fait. Oh, il y avait un sanctuaire. On m'avait pas dit. Il y avait un sanctuaire ici, Maïm. C'est fou, ça. Il y a des sanctuaires qui sont vraiment easy à trouver que j'avais jamais vu. Je sais ce que je vais faire. Chute éphémère. Je vais mettre un point là. Que je sais qu'il y a ça là. Paf. Est-ce que j'ai mon épée? Oui. Quoi? Paf. Ok, donc il faut activer ça. Oups, je suis avec deux bombes en plus. Ah merde! Ah bah j'ai gaspillé mes deux bombes. Bon, j'ai voulu casser le jeu. Ça m'apprendra, tiens. J'ai voulu biaiser le jeu. Ça m'apprendra. Alors, il faut faire paf, paf. Fla, fla. Le timing n'est pas le bon. Le timing est le bon. Oh oui! Bon, en fait, c'était facile. J'ai voulu baiser le jeu, mais c'était hyper facile. Putain, c'est encore des... Des donjons d'une facilité... Enfin, des sanctuaires. D'une facilité déconcertante. Mais peut-être est-ce là, l'épreuve? Peut-être est-ce cette salle? Ici même, l'épreuve redoutable. L'épreuve redoutée. Tout. C'est la même chose. En attendant, ça m'a l'air d'être tout à fait la même chose. Ah. Alors, par contre, je vois pas bien. Ah. Pas bien en fait. Mais ça m'emmène. Waouh! Ah oui, ça m'emmène à Perpète. À la go. Ah ok, ah il y a eu une idée. Manifestement, il y a eu une idée dans le jeu. Alors ça. J'en suis. Interloqué. Attends, attends, attends. Bon, évidemment, j'ai merdé. Qu'est-ce qu'on va faire? Paf. Ah non! Ah! La boulette. La boulette! J'ai pas eu le temps. Donc, ce qu'on va faire? C'est ça. Ce qu'on va faire ensuite, c'est ça. Attends, ce que je vais faire. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser tomber. Je vais activer le machin. Et comme ça, j'ai le temps. Hop, 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 tac, comme ça je descends tranquillou, je fais paf, non! Ah!
Easy. Un sanctuaire plutôt amusant. J'essaye de trouver les adjectifs, hein, parce que j'essaye de trouver du positif. Un sanctuaire qui sentire plutôt pas mal. Hop. J'ai eu un amusement. Donc déjà, c'est mieux que rien. J'ai combien de sanctuaires là? C'est ça la vraie question. Tiditi. J'en ai 123, 24, 25, 126. Donc ouais, il m'en manque pas beaucoup. Il m'en manque pas des tonnes. D'accord, donc en fait, j'étais pas venu pour aller là, de base. De base, c'était pas du tout mon objectif, puisque j'étais venu pour aller ici même. Donc, et que je sais pas, j'ai pas trouvé la grotte. Donc là, il doit sûrement y avoir des sanctuaires par là aussi. Il doit y en avoir un là. Quelque part. Très certainement. Est-ce que j'ai moyen? Faisons ça, tu sais quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va l'explorer là? On va l'explorer! Comme ça, ça va me simplifier la tâche. Ça va me simplifier la vie. En vrai, j'aurais pu y aller. J'ai un détecteur. Cela dit, j'ai un détecteur. Je me prends la tête des fois. C'est pas dans ce sens. Quoi, je prends feu? Non. Mais j'ai la combinaison là. Non? Ah si. Mais dans cette zone, je suis baisé. T'es sérieux? Mais t'es pas sérieux. Je crève. Je décède dans cette zone, en fait. Mais c'est insupportable. Ah, pas là. C'est vraiment une petite zone. Une petite zone où je suis baisé. Trop chiant. Est-ce que si je prends un repas, un truc, c'est ça... Il y a moyen. Ah, j'en ai pas en plus, c'est ça. C'est ça la... Ah, je suis un idiot. Je sais, c'est ça que j'aurais dû faire. Bon, c'est pas grave. Que je suis en pente là. Si je suis en pente, on est dans la merde. Ah putain, c'était sûr. J'y crois pas. J'y crois pas. Pourquoi est-ce qu'il les met comme ça pour que ça roule? Plutôt que de les poser à plat. C'est incroyable, ça. Il les met exprès, genre pas à plat. Comme ça, ça roule. Merci de me faire gaspiller des trucs que je galère déjà. Prenons la machine. Éloignons-nous du feu. Yeah, je vais aller là-bas. Ah non! Ah non, mais je vais prendre feu! Ah non! Est-ce que j'ai le temps ou est-ce que je crève? Ah non, c'est trop. Ça veut dire qu'il faut vraiment que j'achète la combinaison entière. J'ai combien d'argent, hein? Ah, que c'est chiant! Ah oui, je vais crever! Ah oui, mais en plus, ça fait pas de cadeau. Je vais canner. Que j'ai le temps, on en pense quoi? Ah non, c'est chiant, Nintendo. Chiant. Bon, attends, je vais devoir gaspiller ça. Hein. Je vais devoir. Hein. Attends, quoi? Il y a un trailer de Chicken Run 2 qui vient de sortir. Moi j'étais au courant que le projet existait et le trailer vient de sortir.
Mais c'est toujours le studio Artman, c'est toujours en stop motion. Est-ce qu'il y a toujours GG Depardieu? Attendez, j'irai regarder ça. Vous m'intriguez. Oh, ça m'intrigue. Oh, s'il y a GG Depardieu, c'est validé. D'ailleurs, c'est rigolo, parce que c'est un film qui a deux VF. Il existe deux VF du film. Il y a une VF avec le Star Talent, Gérard Depardieu, machin. Et il y en a une autre avec... comment s'appelle-t-il? Le doubleur de Bruce Willis. Bon, j'ai oublié. Ah, ça sort en fin d'année. Ouais, c'est le... Ouais, bah voilà. Ah, il va sortir en même temps que le Disney de fin d'année, quoi. Le Disney de Noël. Moi, je dis... Pourquoi pas? C'est comme One Piece. Moi, je dis... Pourquoi pas? Bon, je pense que c'est un film qui est un petit peu... Un petit peu culte, quoi. Moi, c'est un film que j'ai pas vu depuis 1000 ans. Je crois que je l'ai vu à la télévision. Je crois que j'ai vu ça à la télévision. Oula, mais je vais canner, en fait. Bon, très mauvaise idée. Très, très mauvaise idée. Comme je vais canner... Tu sais ce qu'on va faire? Ouais, mais la VF, elle peut changer entre les trailers et le film, quoi. Ce qui arrive très souvent. Ce qui arrive malheureusement très souvent. Souvenons-nous de Donald Renew et de Elementaire. Donc là, doit y avoir un truc, et là, doit y avoir un truc. Bon, je vais me casser de là, parce que je suis en train de canner. Non, c'est chiant, cette zone, là. C'est trop chiant. Ah! Ah, c'est ça qu'il fallait dire tout de suite, kid. Ah! Alors, si c'est... Mais attends, c'est un film Netflix ou c'est un film cinéma? Ah, c'est un film Netflix? Ah ouais, non, là, ça change tout. Là, je suis plus du tout ambiancé. Ah oui. Ah non, mais là, ça change tout. Je suis plus du tout ambiancé. Ça va être de la merde. Ah, bon, c'est une très mauvaise nouvelle, alors. Aïe, 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 aïe. C'est avec beaucoup de tristesse que je dois dire que le film est probablement éclaté du cul. Ah, j'ai jugé. Ah, j'espère que c'est quand même resté du stop-mo. J'espère que c'est toujours le studio Artman. J'espère qu'on est toujours sur quelque chose. J'espère que c'est quand même assez proche de ce que faisait le premier. Après, je dis pourquoi pas. Parce qu'il y a vraiment toute une... Il y a un retour quoi du stop motion ces dernières années. Moi, j'aime beaucoup ça. Donc, je me dis pourquoi pas. Ça peut être une bonne surprise. Il y avait eu le film d'animation Klaus sur Netflix. Bon, je parle mal de Netflix, mais bon, à raison, il y a quand même... Franchement, il y a quand même 99% de trucs claqués sur Netflix pour 1% de trucs qui, parfois, ça passe. Mais Klaus, par exemple, c'était très bien. J'ai plus de vie, hein. J'ai plus de vie. Ouais, moi je suis toujours content de voir des films. Mais après, c'est logique. Hein. On se rend pas compte, ça prend beaucoup de temps de production. C'est une technique très chère qui prend beaucoup de temps. Donc évidemment que tu... Tout de suite, voilà. C'est compliqué. C'est des trucs qui sont compliqués à mettre en œuvre. Se passe, j'entends quelque chose. Ah, j'ai entendu la bait. J'irai voir le trailer histoire de voir. Ah voilà, sanctuaire à proximité. Est-ce que j'ai pas de la juge haute? Bon, par contre, j'ai plus beaucoup de vie. On a plus beaucoup de vie par ici. Pourquoi est-ce qu'il a disparu là, le détecteur? Détecteur.
contre, ça me saoule. Le journal là, c'est quoi qui est activé là? Pourquoi ça s'est activé? Ça rend fou. Ah bah voilà, merci. Ah merci. J'ai désactivé, ça commençait à me saouler. Il est par là. Il est par là, le sanctuaire. Il est par ici. Je le sais, je le sais. Je le sens. Je le sens dans mes veines. Je le sens dans mes tripes. Il se passe un truc là. Ça clignote, ça clignote. Ah, je comprends pas. Franchement, le détecteur, c'est pas clair. Mais il clignotait tout à l'heure. Ouais, bah c'est bon signe. C'est bon signe, c'est bon signe. Ouais, non, mais ça veut juste dire que c'est Netflix qui a mis les sous pour produire le film, et je pense que sans Netflix, le film n'existerait pas, quoi. C'est surtout ça que ça veut dire. Mais bon, les prods Netflix, ça fait toujours un peu peur. Parce que Netflix, le problème, c'est juste qu'ils essayent de remplir un catalogue. Vraiment, de faire en sorte qu'il y ait un catalogue qui se remplisse. Élément détecté au niveau inférieur. Et au détriment de la qualité, quoi. C'est vraiment essayer de mettre maximum de quantité sur Netflix. De produire à l'infini. Mais au détriment de la qualité, ça c'est un peu chiant. Ça c'est un peu dommage. Par exemple, sur Apple TV, il y a beaucoup moins de choses, mais il y a une qualité beaucoup plus impressionnante. Ouais, apparemment c'est très bien, Nimona. Mais je l'ai pas vu. Il paraît-il, j'ai vu que des avis positifs, ouais. J'ai vu que des critiques positives là-dessus. Oula! Paraît-il que c'est bien. Mais je le regarderai avant la fin de l'année. J'y jetterai un œil. Oula. Où est-ce qu'on est là? Quoi? Mais c'est les abysses, c'est Dark Souls! Dis donc! Évidemment. Oh là là. C'est Dark Souls le jeu. Il est où mon sanctuaire? On n'y voit rien. Oh la petite bestiole! Oh! Il y a des petits monstres! Ah non, j'ai pas de vie, je vais crever direct. Bon, je l'ai one shot. Oh. Oulala, oulala. Oulalalala. Oh là là, franchement, les esprits qui te suivent. Très, très chiant. Tu comprends rien ce qui se passe, ça y est. J'ai que deux esprits. Et je comprends rien ce qui se passe. Bam! Les petits enfoirés. Oui, je sais, Mika. C'est juste que j'ai eu besoin du Goron. Je l'avais viré. J'en ai eu besoin et du coup, je me le trimballe. Parce que là, je serais censé les avoir tous. Hein. Le fait est que j'ai plus de bombes. Donc j'ai pas mal besoin du Goron pour avancer dans les grottes. Mais heureusement que tu peux les enlever d'ailleurs. Heureusement que tu peux vraiment les désactiver. Parce que quand tu trimbales avec 5 esprits qui font leur vie, c'est compliqué. Bam! Dans la tête. Moi, le seul que j'ai gardé depuis le début, c'est le piaf. Parce que le piaf, vraiment, il est utile. Enfin, c'est le seul qui est vraiment... indispensable. Et il a le sanctuaire. Ouais, et puis il est petit, oui, t'as raison, Mika, il est petit. Alors que le Goron, c'est infernal. Mais je sais même pas s'ils sont si efficaces, vraiment, Kid. Hein. Même si tu les upgrades, si tu les mets à fond... Eh, franchement, j'ai l'impression qu'ils sont zéro efficaces. Je sais même pas si c'est possible. Parce qu'en fait, le jeu, il veut que ce soit toi qui fasse le taf, quoi. Franchement, je pense que c'est compliqué.
Après, il faudrait essayer de les mettre les 5 à fond. Et de les avoir tout le temps. J'ai peu d'espoir que ça fonctionne. Pourquoi il y a une espèce de cage là? C'est pas clair. Ouais, ils sont trop. Ouais, ils sont trop longs. Ils sont pas très efficaces quoi. C'est vrai que parfois il sort son arc pour mettre des headshots. Mais. Attends, on est où là? Ah, c'est là. C'est le seul que j'ai monté d'ailleurs. Le piaf, c'est le seul que j'ai mis. Oh, j'ai mis niveau 2. En plus, il faut pas l'explorer hein, si tu les veux tous à fond. Je pense qu'il faut explorer le jeu. Surtout le ciel, parce que je crois qu'ils sont dans le ciel les objets. Ah, est-ce que c'est une bénédiction? Ou est-ce que c'est un sanctuaire? Attention, qu'est-ce qu'on vote? Un sanctuaire? Une bénédiction? Une bénédiction! Moi, mais je crois que tu peux les monter qu'une seule fois les sages. Parce que moi j'en ai d'autres. Et je crois que je peux pas le remonter le piaf. Je crois que tu peux les monter chacun une fois et c'est tout. Ah oui, Mikado, spoiler, c'est à ça que ça sert. Moi aussi, c'est quoi, moi aussi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Parce que c'est aussi le fait que j'ai mis beaucoup de temps à avoir un perso avec moi. Parce que j'ai mis beaucoup de temps à faire un temple. Et j'en avais pendant longtemps, j'en ai eu dans l'inventaire en me demandant à quoi ça servait. Spoiler. Bon, la petite bénédiction. Toujours un peu décevant. Toujours très décevant. J'en ai 127. T'en as combien, kit de sanctuaire? Tu dois en avoir pas mal, non? Tu les as peut-être tous d'ailleurs. Voilà. 148. Ouais, tu les as presque tous. Ah ouais, t'es quand même bien, bien, bien. Il doit t'en manquer 4, je crois. Quelque chose comme ça. À vrai dire, je sais plus trop. Je sais plus trop quel est le chiffre exact. Ça se voit que le kid, il a exploré, il y a eu de l'exploration. Ils sont trop chiants, eux. Bah, j'ai pas d'arc. Bim. Dans la tête. Il est où, l'autre petit enfoiré? Bam. Dans les fesses. Je lui ai mis dans les fesses. Ah, mon épée. Ma petite épée. Vite. Le petit arc. La petite épée. Ah, il va falloir que j'aille farmer des golemax. Parce que j'ai des trucs. Ah non. T'es enfoiré là. Mais quoi? Pourquoi ça a cassé mon truc? Ah, j'ai des armes de merde. Pourquoi j'ai ça dans l'inventaire? Je vais faire zéro dégâts avec ça. Mon trident Gerudo. Bim. Je sais même pas pourquoi je me prends la tête à essayer de les tuer. Tout ça pourquoi? Pour pas grand chose. Mais non, mais pourquoi je fais ça? Oh. Aïe aïe aïe, il va falloir que j'optimise mes armes. Balaboum. Tipi 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 pop.
pas. Ah, poutou! Ça l'a activé pour rien. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Le petit coffre qui m'a donné une épée. Un bouclier que j'ai plus de place dans l'inventaire. Du coup... Ah si! Une lance de Sylvain niveau 6! Ah oui! Alors ça... Évidemment que je vais me le garder, tiens. Niveau 6, il a dit le jeu. Merde, c'est pas ça. Niveau 6, il a dit. Ah non! Cassez-vous! C'est bon, foutez-moi la paix. Je cherche le petit... la créature. Il m'a mis le feu. Il m'a mis le feu. Attends, je viens d'où? Elle est où l'entrée? Mais putain! Laisse-moi tranquille! À un moment donné. Ah, j'ai raté le petit... le cristal. J'ai raté la bestiole. Où est-ce qu'elle est? Elle est peut-être là-bas. Ah, mais j'y suis allé là-bas. J'y suis allé. Il est caché quelque part. Je sais pas pourquoi j'essaye de le chercher d'ailleurs, alors que bon. Est-ce que ça sert à quelque chose? Je suis déjà passé par là. Ah, il y a un truc que j'ai raté. Il y a quelque chose que j'ai raté, me semble-t-il. Ah là! Comment j'ai pu passer à côté? Comment je l'ai raté, lui? Ok. Donc, là, il y avait ça. Là, il y a ça. Ça, je peux l'enlever. Tape. Ça, je peux l'enlever. Tap. Je peux remonter. Paf. Bim. Ah non. Maintenant. Il y a toujours celui qui est là. Que j'ai pas eu. C'est ok, j'ai les racines, j'ai les machins. Ah, j'ai pas fait les cartes au trésor, c'est pareil. Il y en a plein que j'ai pas là. Ah, c'est ça qu'il faut que j'aille. C'est ça qu'il faut que j'aille chercher. Ce sanctuaire qui est là, là. Je suis passé à côté de tout à l'heure, mais il fallait que je trouve une grotte, il fallait que je descende. Il m'a dit que, hop, ils étaient dans le sous-sol, tout ça, tout ça. Il faut que je trouve la grotte. Ah non, mais je suis où, là? Merde. Je suis dans la pampa. Je suis dans la pampa. Ok. C'est là-bas. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il dit ce panneau là? Ah, sanctuaire à proximité. Il faut absolument éviter tout contact avec les substances rouges. Ok. Donc, sanctuaire purificateur à proximité. C'est-à-dire.
Ah, c'est infernal. Ah, c'est là-bas. Par là, par là. Je le sens, je le sens. Je le renifle. Je le renifle. Je l'hume. Je hume l'odeur. C'est quoi ça, là? Évidemment, ça fait plus bip bip. J'ai dévié de ma trajectoire. Et il est par ici. Ah, détecté au niveau inférieur. Donc, il faut que je trouve la grotte. Where is la grotte? Le problème étant que c'est de... Je sais pas de quel côté aller, en fait. Si elle est de ce côté, si elle est de l'autre côté de la roche. Là, elle est un peu au milieu. Je suis pas aidé. Là, on n'est pas aidé. Le détecteur ne m'aide absolument pas. Est-ce que si je vais par là... En plus, l'entrée de la grotte, elle peut être loin. Ah non, pas la lune du sang de ces mots. La lune du sang. Oh, il y a des méchants. Il y a des méchants. Ah non, il n'y a rien par là. Il n'y a rien par là. En fait, il faudrait que j'ai. Il aurait fallu que je trouve un cerisier. Comme ça, on était ok. Oh, lune, couleur du sang. Est-ce que vous savez s'il y a un cerisier qui traîne dans cette région? Je crois que j'en ai vu un tout à l'heure en plus. Est-ce qu'il y a un cerisier dans cette région là? J'ai une idée. J'ai une... Ah oui, mais non, tout est loin. Tout est loin, tout est loin. Je me suis dit, j'utilise une tour. Alors, il y a trois tours, mais à distance à peu près kiff-kiff, quoi. Kiff-kiff bourricot. Je sais pas s'il y en a un, mais je sais qu'il existe une carte avec l'emplacement de tous les cerisiers dans le... Oui, j'ai souvenir de ça aussi, Kid. Je l'ai vu, cette carte, j'ai souvenir. Et j'ai pas marqué les emplacements comme un idiot. J'ai souvenir de l'avoir vu aussi. Mais dans ma tête, c'était pas si utile. Et tu vois, à l'époque, je m'étais dit les cerisiers étaient pas si utiles, et en fait, si. Finalement, c'est un petit peu utile. Donc, effectivement, j'aurais été bien avisé d'essayer de les noter. Ouais, non, mais t'as eu raison, pour le coup. En plus, moi, j'ai pris des photos de tout et n'importe quoi, mais pas de ça, évidemment. Mais je crois que j'avais pas l'appareil photo, déjà, à ce moment-là. Donc, ça m'a bien... Ça m'a eu. Je me suis fait avoir. Bam. Mais normalement, tu les repères assez facilement. Enfin, je dis ça, mais là, je suis à l'autre bout du monde. Là, je suis un peu à l'autre bout du monde en même temps. En plus, j'en ai vu un là, dans cette région là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la capture. C'est vrai que t'as raison. Il y a la capture. C'est quoi déjà? Ah, putain, c'est ça. Putain, c'est vrai, t'as raison. En plus, il y a une foutue touche exprès pour. Et en fait, j'y pense jamais. Attends, c'était quoi ça? Ah putain, je l'ai. Je suis un idiot. Je l'ai pris, Kid. Ma poutou. C'est juste que j'avais oublié. Attends, je l'ai. Donc il y en a un là. Attends. Mais dis donc, suis-je bait? Il y en a un par là, là. Attends, attends, attends. Ah oui, mais la carte, elle est compliquée à comprendre aussi. Ah oui, mais la carte, elle est chiante. Attends. Il faut que je voie avec l'eau. Il y en a un par là. Si je suis pas trop bête, il y en a un par là. C'est ça, hein? Ouais, il y en a un par ici. Je l'ai mis où, mon point? Je l'ai mis où, my point?
peux dire merci à mon moi du passé, c'est vrai, t'as raison. J'avais complètement... Tu vois, je me suis souvenu... Que je me souviens que je l'avais vu. J'avais oublié que je l'avais prise en photo, tu vois. Bon, par contre, c'est beaucoup plus loin que ce que j'imaginais. Y'en avait pas un de plus près, là? Attends. Ah non. Ah non, pas vraiment. Pas vraiment. En fait, il faut que je fasse ça. On va y arriver. Ah, finalement, les sanctuaires, ça va prendre plus de temps que prévu. Je me suis dit, bon, ça va aller vite. Finalement, c'est pas si simple que ça. Ok, donc là, je fais poète. Ça, c'est cool d'ailleurs dans le jeu de laisser ce genre de choses et de pas mettre des points sur la carte, parce qu'il aurait été facile vraiment pour le jeu de mettre des points sur la carte quand tu découvres la carte et l'emplacement des cerisiers, de te dire bon, ils sont là. Mais c'est plutôt cool de laisser le joueur, bon voilà, c'est au joueur de se débrouiller, tu peux prendre des photos. En plus, la carte, elle est pas forcément très précise. Ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans Elden Ring. C'est la carte du jeu et le fait que vraiment elle est pas très précise en fait. Donc vraiment c'est à toi après de d'être un explorateur et d'essayer de comprendre. Et ça c'est cool. S'il y a bien un truc qui fonctionne dans Elden Ring, c'est la carte. Qui d'ailleurs est très... est assez jolie et assez magnifique en fait. Par là. Après, c'est pas très précis mon point aussi. Mon point, il est pas très précis. Bon, si vous le voyez, vous me dites. Hein. Oh là là! Hop là. Si vous le voyez, vous me faites signe parce que je le... Comme on n'y voit rien dans ce jeu. Que c'est flou, qu'il y a un filtre, qu'on n'y voit rien. Putain, c'est chiant. Où est-ce qu'il est? En plus, je sais même pas à quelle distance il apparaît. Ça, c'est un autre problème. Ah, il est là. Je crois que c'est lui, non? Attends, c'est quoi ça? Si, c'est ça. Je crois bien que c'est ça. Ah non, mais j'ai plus d'endurance. Oh là là. Il me reste un petit bout. Ah, j'ai plus rien. J'avais oublié qu'il y avait l'endurance. Comme quoi, au début du jeu, je m'étais dit à quoi ça sert. C'est pas forcément trop utile. Finalement, les choses prennent du sens. En vrai, le 100% du 100%. Si tu veux faire toutes les quêtes, les missions, les machins, c'est vraiment infini. Parce que là, j'ai pas fait les missions. Enfin, j'en ai fait quelques-unes, mais... Franchement, des missions, des quêtes annexes, il y en a 1 million. Alors, chose à savoir, c'est que tu peux l'activer et tu peux reprendre ta pomme. Tu peux reprendre ta pomme une fois la chose activée. Ah voilà. Ah oui, moi je... Bah attendez, une pomme est une pomme. Faut pas déconner. J'ai quand même bourlingué pendant 140 heures et récupéré les pommes. C'est pas pour les laisser comme ça, droite à gauche dans le jeu. Faut pas abuser non plus. Ok, bon maintenant.
Maintenant, il faut que je retourne. C'est où déjà? Oh, je sais plus. Je sais plus où je suis. Je vais retourner là. Est-ce que ça reste? Je me souviens plus. Une fois que je me téléporte, ça reste? J'ai peut-être fait une connerie. J'utilise jamais ça, du coup, je sais plus. Ah oui, mais à chaque fois, j'apparais là-dedans. Paf. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Ok. Ok, là-bas, il y en a une. Il y en a une là-bas. Ça doit être ça en vrai. C'est probablement quelque chose par là. Est-ce que quelqu'un sait combien il y en a des grottes dans le jeu? Ça se monte à combien? Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal. J'ai l'impression qu'il y en a quand même un certain nombre. Ah oui, ah c'est vrai, j'ai oublié. J'avais lu que, hop, les oiseaux pouvaient te permettre d'indiquer des endroits comme ça. Là on voit très clairement qu'il y a des oiseaux juste au-dessus. C'est là que tu vois que le jeu est quand même très bien crafté. Il y a plein de détails qui font en sorte... Ouais mais là-bas il y en a plein aussi. Il y a quand même beaucoup de détails qui font en sorte que... Si t'es pas trop couillon, tu comprends un peu ce qui se passe dans le jeu. Ah il est là lui, le petit salaud. Ah j'ai plus de flèches, comment c'est possible ça? Ah j'ai balancé tellement de flèches. Alors que les flèches, c'est le nerf de la guerre. Ouaf, je suis pas sûr que ce soit la bonne grotte. Je suis pas sûr qu'on soit au bon endroit. Oula. Oula. Ah, peut-être. Vu qu'il y a tout un réseau ferroviaire. Peut-être. Finalement, peut-être bien que si. Ah non! C'est pas la bonne touche. Ah là là. Par pitié, mets le droit, s'il te plaît. Ah, quand même. Ok. Le jeu a le bon goût de mettre les objets adéquats parce que j'ai quand même pas envie de gaspiller tous mes trucs. Hop. Et c'est parti mon kiki. Est-ce que j'ai la Master Sword? Je ne l'ai pas. Est-ce que j'ai un truc? Oh, c'est quoi ça? Ah oui, elle prend feu. Bim. Ah, j'avais oublié que j'avais le Goron. J'avais oublié. Oula. Oula, mais où est-on est là-bas? Attends, mais ça m'emmène à l'autre bout du monde, là, ce... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui... Ah, il y a tout un réseau. Donc là, je fais quoi? Attends. Là, je tourne en rond? Ah oui, là, je tourne en rond. Et je peux descendre là-bas. Ok, là je tourne. Mais attends, mais je vais pas du tout là où j'avais prévu d'aller en fait. Mais alors pas du tout. C'est pas du tout la bonne grotte. Mais c'est immense. Oh, il y a un sanctuaire pas loin. Ça me dit. Ah là. Ah mais si, c'est celui-là. J'y vais. Ok, alors là, je pensais pas qu'il y avait des grottes à ce point. Ah oui, là, il y a vraiment tout un réseau. C'est Minecraft. Il y a des mines.
Heureusement que j'ai été d'une grande lucidité. Et j'imagine que c'est une bénédiction. La base. La base de la déception. La base de la déception de ce jeu. Oh, j'ai chaud. Il fait 28 degrés à l'intérieur. Oh, une bénédiction. Oui, qui... Non mais dis pas ça, après je vais avoir envie d'aller le chercher. Ah, le petit couillon. Bah voilà. Bah voilà, maintenant j'ai envie d'aller le chercher. Ah, est-ce qu'on va... Je suis pas sûr d'aller le chercher. Hein. J'ai un doute. Par contre, ça c'est nul. Parce que là, il n'y a même pas d'énigme, tu vois, qui ferait en sorte que... bon, il n'y ait pas de sanctuaire. Vraiment, c'est nul. J'ai juste trouvé la grotte. Voilà quoi. À quel moment est-ce qu'on me... En fait, j'ai l'impression à chaque fois, quand j'ai une bénédiction, d'être privé de l'énigme quoi. D'être privé du plaisir de faire un sanctuaire. Du coup, c'est hyper énervant, c'est hyper contre-productif pour le jeu. Franchement, ça coûtait pas grand-chose de rajouter une petite noisette quoi. Un petit truc. Une petite pépite. Dans ma madeleine au chocolat. Mettez-moi une petite pépite au chocolat. Oui. Moi, je suis venu pour ça, pour les pépites au chocolat. La madeleine, finalement, bon. On veut les petites pépites. Comment est-ce qu'on fait, du coup? Est-ce qu'il y a un petit... Parce que là, j'ai plus de véhicule pour repartir. Nintendo. Il est où, mon wagon? Que je suis sauté de mon wagon. Mais le fait est que là il y en a pas. Donc comment on fait? Si ce n'est de crafter nous-mêmes des trucs. Chiant ça. C'est un petit peu chiant ça. Par contre c'est très très grand. Il y a moyen de farmer des silex, des trucs par ici. Bon, j'en ai pas besoin, mais est-ce que je tente l'exploration? Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en dit? Bon, vas-y. Je tente un truc. Ah! Putain, je fais toujours la boulette. Je fais toujours la boulette. Putain, évidemment. Il est tombé. Est-ce que j'ai moyen de le ramener? Ah, il est là! Alors ça c'est quand même le meilleur pouvoir du jeu. Ça c'est quand même le meilleur pouvoir du jeu. Alors ça. Oh oui. Oh oui, une erreur. Voilà, j'ai réparé mon erreur. On n'a rien vu. Est-ce que c'est pas formidable? Là le jeu quand même. J'ai dit beaucoup de mal du jeu, mais là le jeu est quand même bien. Là, le jeu. Dans quel autre jeu tu peux faire ça? En fait, il y a un truc qui est indéniable avec ça, mais que ce soit Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, c'est qu'ils sont quand même uniques dans leur catégorie, vraiment. Dans quel autre jeu tu peux faire des trucs comme ça, quoi? Aujourd'hui. Dans un jeu de cette envergure. Dans un jeu grand public comme ça, franchement. Oula, oula, oula. Oula, 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 oula. Mais non d'une pipe. Eh, si ça se trouve, le GOTY, c'est vrai que je l'oubliais, mais ça se trouve, le GOTY, c'est Mario Wonder. Si ça se trouve, c'est lui, le GOTY. On l'a oublié un peu vite. Le petit Mario. Ah merde. J'ai pas de zone de zone à plat. Il me faut une zone à plat. Est-ce que vous pensez que je peux faire ça? Ah, le GOTY c'est tellement Mario en fait. Ah putain, pourquoi ça te one shot plutôt que de te laisser un peu d'espace?
Ah, mon véhicule est toujours là. Franchement. Oh là là. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est fou. Cette année, elle est hallucinante. Merci, Nintendo. Franchement, c'est fou. Il y a Wario qui arrive aussi tout près. Je sais pas si je suis pas plus, si j'ai pas plus envie de jouer à Wario. Paf. Après, j'étais très déçu du précédent. Pop, 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 pop. Ah, j'en veux pas. J'en veux pas de ton arme. J'en veux pas. Je n'en veux pas. Par contre, cette grotte, c'est un petit peu grand. J'y viens d'où? Je sais plus d'où je viens. On vient d'où, là? Vous savez, vous? Je sais plus. Je sais plus. Donc, je vais partir par là. Dans le doute. Il y en a encore plein d'autres en plus. Des jeux qui sortent en fin d'année, là, il y en a encore plein d'autres. Entre autres jeux Nintendo, c'est peut-être en bas qu'il faut aller. Je sais pas pourquoi j'explore alors que finalement. Est-ce que ça nous intéresse? Finalement. Ah, peut-être je ressors là, non? Qu'est-ce qu'on en pense? C'est l'entrée, ça. Ah oui, c'est l'entrée. This is the entry of the mine. Est-ce que je peux ressortir? Ah. Bon, j'aurais pas eu le petit bidule. Mais finalement, est-ce que c'était si important que ça? Je dis... J'ai envie de dire que non. J'ai envie de dire que c'est pas grave. Du coup, ça, ok. Très bien. Maintenant... Parce qu'il en reste des petits sanctuaires. Là, il y en a plein, par exemple. Est-ce que j'ai encore mon cerisier? Est-ce qu'il est toujours activé? Ah oui, toujours activé, le cerisier. Le cerisier est toujours activé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que peut-être... là, il y en a trois, par exemple. Il y a trois que j'ai pas. Donc, on va y aller. On va y aller. Ico presto. Presto. J'ai faim. Voilà. Information, ici même, aujourd'hui, à cette heure-ci, quelle heure est-il? À 19h42, j'ai faim. Sachez-le. Ah oui, mais j'ai pas l'équipement adéquat. C'est ça? Flûte. Flûte? Il est plutôt mignon, Link, quand il est là dans le froid avec ses petites rougeurs. Petites rougeurs aux joues. Notre petit Link. Paf. Ok. Donc là... Il va s'agir... de retrouver... la direction. Évidemment, c'est pas la bonne carte. Là-bas. Ça, j'ai mis des points sur ma carte, mais après... après, il s'agit de se retrouver. Il s'agit de se repérer. Est-ce qu'il y a un sanctuaire par ici? Je vois pas de sanctuaire. Est-ce que c'est encore dans une... Ah, ça clignote, ça clignote. Est-ce que c'est encore dans une grotte? Niveau inférieur. Ok. Là, il y a un ennemi.
Sacré lignote, sacré lignote. Oh, j'aime pas cette zone de... fouettée par la tempête de neige. Ah, c'est sûrement par là. C'est très certainement par là. À même le flanc de la montagne. Ou pas du tout. Je sais pas trop, je peux descendre jusqu'où là. Oula, je sais pas si c'était une très bonne idée. Ça clignote, ça clignote. Ah non. La boulette. Ah! Ah oui, le jeu me ramène à l'autre bout du monde. Mais j'ai toujours mon cerisier? Ah, je crois que j'ai plus cerisier. Flûte. Il me semble que j'ai plus cerisier. C'est dommage ça. Il m'était bien utile. Par contre, c'est quoi la durée exacte de... Ah si, il est toujours... Ok. De l'indication... Qu'est-ce que c'est ça là-bas? Ah oui, c'est une feuille. De l'indication des grottes, là. Je me demande combien de temps ça reste. Parce que j'ai l'impression que ça reste pas très très longtemps. Bon, en tout cas, il n'y a pas de grotte, là. Enfin, j'ai l'impression. Mais c'est pas clair aussi. Pas clair le jeu. J'arrive pas bien à savoir. Ouais, il y a un sanctuaire niveau inférieur. Donc, si je reste là. Niveau inférieur. Non, niveau inférieur ou pas niveau inférieur? Si, niveau inférieur. Quand je suis là, niveau inférieur. Ah mais il est là, je suis bait. Il était juste là. Oh, je suis allé à perpète. Ah mais ok, j'ai compris. En fait, ça faisait... Ah, mais ça allait avec la créature qu'elle... Oh, je suis débile. J'avais pas vu qu'il y avait un cristal. Il y avait un cristal sur la créature. J'ai pas fait attention. J'ai cherché midi à 14h. Ça... Je trouve c'est l'idée la plus naze du jeu, vraiment, le truc. Parce que, ok, une fois, c'est cool. Mais ça, ils te le répètent, il y en a une trentaine, quarantaine de sanctuaires avec ce truc-là. Je trouve ça dommage qu'ils répètent ad vitam aeternam leurs idées, en fait. Vraiment, ils auraient pu faire en sorte que déjà, il y en ait plus. Ou que chaque sanctuaire ait sa propre idée. Bon, c'est peut-être un peu ambitieux. J'avoue, c'est peut-être un peu ambitieux, mais quand même. Parce que vraiment, ça, le faire, ok, deux, trois fois, je veux bien. Mais quand tu l'as fait 20 000 fois, bien 20 fois, peut-être même plus, je pense. À un moment donné, tu te dis, bon, c'est cool, mais... Quoi ? Allô ? Quoi ? Ah ! Comment je vais ? Comment on fait là? What? Comment okay. Eh? Ah! Oh! Comment on se débarrasse de ça? Bah! Quoi qu'il arrive, je suis gelé! Le jeu? Mais le jeu, Nintendo! Ton jeu là! Comment on est censé se débrouiller? What is it? Attends, oh, je l'ai pris dans la gueule. Je l'ai pris dans la gueule, je crois. Il me semble que je l'ai pris dans la gueule. Je peux... Ah non. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Il faut vous calmer, hein. Il faut arrêter, hein, les amphétamines. Oh là là! Ah d'accord.
faut arrêter les bêtises, hein. À un moment donné, on se calme. Bon, bah, je vais devoir gaspiller ça. Finalement. Hop! Mais. Les réflexes. Zéro réflexe. Qu'est-ce qu'il fait? Non? Qu'est-ce que tu fais, Piu-Piu? Mais il va hyper vite! Il me l'envoie hyper vite dans la gueule! Est-ce que là j'ai moyen de le toucher ou toujours pas? Ah non, toujours pas en fait! Ah non, mais je peux! Ah d'accord! Ok! Comment on touche? Comment on fait? C'est la première fois que je tombe sur un ennemi comme ça de glace qui me gèle quoi que je fasse. Il va me ramener où le jeu? Ah ça va. Dis donc. On est bien dans la merde. Est-ce que j'ai des bombes? Oh, j'en ai une. Est-ce que balancer du feu, c'est une idée? Zéro. Idée numéro 2. Nul. Je sais pas. Bon, vas-y, je la balance. J'en ai qu'une. Ah, j'ai touché la bait. Donc, en fait, j'ai plus de flèches, j'ai plus rien. Donc, je suis bien dans la merde. Merde. J'ai fait hop. Comment est-ce que je peux faire? Après, je peux faire un véhicule. Ça peut être une idée. On peut faire quelque chose. Attendez. J'ai une petite idée. Je fais ça. Je fais toup. Je fais point. Je fais. Ah oui, mais en plein combat, ça va être compliqué. Tac. Attends. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Non! Petit enfoiré de merde! En plus, j'ai collé mon truc nul. Oh là. Échec. Échec terrible. Oh là là! Mon engin de guerre. Mon engin de guerre qui ne sert absolument à rien. Elle l'a défoncé. Il a défoncé mon engin. Ah oui, mais en fait, il n'y a que avec des flèches. Comment je suis censé me débrouiller, là? Réfléchissons. Ah, putain. Bon, alors, j'utilise le bon. Ah, j'ai cru qu'il allait pas se réveiller. Je me suis dit, bah, je vais le spammer.
Ah oui, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que... J'ai pas de flèche, en plus, c'est une dinguerie. J'ai pas de flèche. Mais pourquoi là, il est plus... Ah, mais attends, c'était ça. Parce que le Goron, il l'a dégélifié. Le Goron, il l'a dégélifié, du coup, je peux monter dessus. Dis donc. C'était ça, en fait. Nintendo. Nintendo, tu m'as bien eu. Il fallait le dégélifier. Ok, j'ai trouvé l'entourloupe. Bim, bam, bim, boum, bam, bim, bam, bim, boum, bam, bim. Dis donc. Eh bah, dis donc. Ça va pas été du tout repos. Avec quoi je peux amalgamer ça? Ah oui, mais j'ai plein de trucs. Mais qu'est-ce qu'on en pense? J'ai des espadons. Est-ce que je vais gâcher mes trucs là? Compliqué ça. Bon, vas-y, je le mets là-dessus, on verra plus tard. Papa. Bam. Oh, ça fait de la glace. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Non. Ok. Finalement, je l'ai battu un peu par hasard. Un peu au pif. Parce que j'avais le Goron. Franchement, j'aurais pas eu. Je serais arrivé là sans le Goron. J'ai pas de bombe, j'ai rien. C'est une galère. Je pense que le feu suffisait en fait à le dégeler. Mais j'aurais pu jeter mes gelées en fait. Mes trucs de feu. Peut-être que ça a marché. Peut-être bien. Est-ce que c'est une bénédiction? Qu'est-ce qu'on en pense? Ah, ça m'a validé une quête. Ça faisait partie d'une quête. Ah, putain. Aïe, 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 aïe. Il a fallu que ce soit une bénédiction. Il a fallu que ce soit une bénédiction. Et qu'on finisse là-dessus. Flûte. Je subis des emparis. Je suis tristesse. Oh, je peux récupérer un cœur de plus. Un petit cœur en plus. C'est cadeau. J'en ai 129. Du coup, il doit m'en manquer 20, 23, je crois. Réfléchissons. S'il y en a 52, il m'en manque 23. Voilà où on en est. Ce qui fait pas tant que ça, là. Là, on se rapproche petit à petit du but des sanctuaires. Je pense que j'irai un peu explorer, mais je sais pas si j'irai faire l'exploration totale de la zone, là. Bof. La question se pose. Là, j'y suis pas allé parce que je prends feu, je crois. Pourquoi j'ai mis ça, là? Ah oui, c'est ça. Faut que j'aille chercher les cartes, en fait. Les cartes au trésor. Peut-être. Peut-être que c'est une idée. J'en ai mis combien des cœurs, là? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Ah, j'en ai bien la moitié que j'ai déjà indiqué à la des sanctuaires. Donc j'en ai bien déjà la moitié que je peux chercher facilement. Parce que j'ai les racines. Et l'autre moitié qui probablement je vais pas avoir trop de mal à trouver en vrai. Parce que ça doit être les racines qui me manquent. Possiblement. Voilà pour aujourd'hui concernant Zelda. Voilà, merci Nintendo. Le jeu, finalement, je ne sais quoi dire. Est-ce que c'est chef-d'œuvre? Est-ce que c'est GOTY? Est-ce que... C'est mitigé? Un peu tout ça, en fait. C'est un peu tout. C'est un peu le GOTY.
c'est un peu parfait, c'est un peu à la fois décevant. À la fois c'est un grand jeu, parce qu'il a toute l'ADN de Breath of the Wild, mais à la fois il est très décevant parce que ce qu'apporte Tears of the Kingdom est un peu maladroit. Il y a plein de trucs qui sont maladroits. Je trouve qu'en fait il n'arrive pas à déployer son plein potentiel. Je trouve il y a un truc qui est gênant, je trouve, c'est que le plein potentiel de la création de véhicules machin, tu peux pas le déployer réellement tout le temps dans le jeu. Le jeu te laisse pas moyen de déployer tout le potentiel de ça. C'est trop dommage. Ça vraiment, je trouve, c'est bien d'avoir mis. Ils sont passés à côté de ça, en fait, je trouve, dans le jeu. C'est dommage.